Donc, là aujourd'hui, on va travailler sur la mise à jour de la carte de l'univers One Piece à partir du live action. Donc, apparemment, il y a des petits détails qui ont été ajoutés dans le live action au niveau carte. Donc, ça me permet de rafraîchir un peu mon ancienne carte, une ancienne carte que j'avais créée. Donc, on fait ouvrir. Voilà, c'est ouvert. Bon, voilà l'ancienne carte. Normalement, contrôle. Bon, on voit ici ce que je fais. On voit tout ce que je fais avec les touches clavier. C'est en direct, donc avec les claviers. Le Hotkey. Voilà. On commence à bousiller tout seul. Voilà. Donc, à zoom. Changer. Voilà. Zoomer. Donc, je viens juste de modifier. Le seul truc que j'ai modifié, c'est le pont de Tequila Wolf. Parce qu'avant, selon la lecture et de l'animation et aussi du manga, normalement, dans l'animation, le Toei Animation, on voit le voyage de Gold Roger qui passe par Water Seven. Après, on voit qu'il passe par Tequila Wolf et ensuite Sabaody, tout ça. Donc, c'est-à-dire, le pont se trouve à peu près entre Water Seven et Sabaody et l'île des Poissons. Sauf que dans la carte que j'ai découvert, bah, que tout le monde a vu dans le live action, donc Oda a placé la carte ici, sur East Blue, mais au-dessus de Keiko et Organ Island, qui se trouve entre ces îles ici. Donc, je vais récupérer donc les cartes et je vais zoomer juste sur East Blue ici. Donc l'espace permet de déplacer la carte. Donc je maintiens l'espace, la barre, l'espace barre pour obtenir, voilà, à peu près comme ça. Non, c'est avant, cette carte est faite avant le live action de One Piece. Okay, ainsi, et là, je vais chercher le live action. Donc, là ici, c'est les images du live action que j'ai pris. Donc, on va zoomer au max, si c'est possible, pour voir les petits détails qui ne sont pas visibles. Donc, on va chercher le pont Tequila que j'avais pris en image en vidéo pour avoir les détails. On va revenir de toute façon ici pendant que je fais la mise à jour sur ma carte. Ben, voilà, c'est le commencement du live action. On est sur la carte de l'univers. Voilà, ici on voit le pont. Là. Il se trouve entre ici, l'île de Nohar, Orange Island. Si je voulais acheter sur ma carte, ici, sur cette île, je vais mettre ici, c'est ce morceau, et on voit le pont. Et qui est au-dessus de Keiko. Keiko ici. Donc c'est là. Et on voit ce petit bout ici. Qui est ici. Et le pont Tequila. Voilà. Donc ma position de Tequila Wolf par rapport aux informations reçues dans le live action. Donc le pont est ici.
parce qu'avant j'avais mis ici. Voilà, pour cette partie. Et après, on va voir sur un iceberg complète les positions de certaines îles. Un peu plus de détails. Voilà. C'est là, c'est parfait. On va zoomer ici. Pour voir l'ensemble des cartes. Je vais zoomer aussi sur la carte ici, espace. Et l'image. Donc, une dizaine de rares que j'appelle la une de Grimoul. Voilà, ici. Des animaux rares orange ici, là Organ Island, après de l'autre côté il y a Keiko. Keiko ici, Keiko Island. Après, en haut, j'avais mis Oikot, sauf que Oikot, lui, il a mis plus au sud. C'est celui-là, je crois, qu'il a mis. Donc, il a mis Mirabul, juste au-dessus de Keiko. Donc, Mirabul. Si je regarde ma carte, Mirabul, il est là. Donc je le récupère, donc je vais donc symbole pour les sprites. Je récupère Mirabul ici. Et je le déplace. Donc au-dessus, juste au-dessus de Keiko. Ici. Entre les deux. Donc je prends Mirabul. Ouais, j'ai trompé. J'ai pris l'autre ici. Mirabul, je zoome et je le déplace. C'est ça. Et pour la belle texte, je sélectionne. Donc couleur rouge, rouge jaune, contour jaune, c'est des îles officielles qui se trouvent dans leur emplacement officiel selon le manga ou l'anime. Et le label en noir avec contour jaune, c'est des emplacements non officiels qu'on a entendu. L'île, mais c'est pas officiellement positionné sur la carte, donc maintenant c'est officiel. Et après on a, je reprends, donc Keiko, Kozia ici là, Kozia Island. Donc c'est à peu près comme ce que j'avais fait, donc c'est presque bon. Je dézoome un peu pour voir à peu près l'emplacement correct. Et sur l'appareil, je vais dézoomer un peu pour voir à peu près. Donc ça, c'est ça. Il est au-dessus de cette île. Donc c'est ici. La grosse île. Donc il se trouve à peu près ici. Donc Kozia ici. On va prendre symbole, select, on va déplacer sur un peu et cela. Donc c'est dessiné
Je peux pas comprendre. Non, il faut que je fasse ça. Non, voilà. Il faut qu'il se rapproche un peu plus. Comme ça. La belle. C'est écrit c'est Ozia Island. Pour la nuit. Ok. Après. Il y a Kumat, Pezlan et Sexy. Je les zoome un peu. Bon, on va l'autre côté. Et je vais zoomer sur une carte. Voilà. Bon, ici, là, ça va, là, c'est là. Donc j'avais mis une île ici, et lui l'a mis ici. Donc il faut que je dessine un truc. Je déplace déjà le label. Label ici. Le village. Je l'ai mis ici. Voilà. Après, il y a le 6. C'est 6 Iceland. Qui est ici. Après, j'avais placé le Kumat Iceland. Que moi, j'avais mis pour le Kumat ici. Kumat Iceland. Shimosuke Village. Donc, je reprends. Ce que je vais faire, je vais prendre l'âme, le saint, le faux. Moi, je vais voir ça.
Deux. Label. Ogia, écoute. Écoute. Kingdom. Quatre. Oh, comme ça c'est bon je pense. Non. Et l'image est là. Ah, ici.
ou un trouble label. On va le faire boucher. Ouais, écoute. Kingdom. Orbite, ok. Donc ici c'est les bateaux, le bateau de cuisinier et le bateau de Zef qui se font couler par la grosse vague et ils se sont retrouvés sur un rocher et le cannibale il fracasse sa jambe avec un caillou pour ne pas mourir de faim. Voilà, c'est dans le manga que l'anime a supprimé. Il a fait autrement. Du coup, ça passe moins bien au niveau émotion, parce qu'ils ont tout merdé au niveau animation. Heureusement, le live action a repris ses droits avec le panneau original du manga, qui est de manger sa jambe pour survivre. Kogia, donc c'est là où il y a la guerre, je crois. Hein. Et là, c'est pareil. Là où il y a la guerre, il y a la belle-mère qui a récupéré Nami et Nojiko en traversant toute la mer pour sauver les enfants. Donc apparemment, j'ai vu dans la carte live que le groupe ici, ça se trouve ici. Si je me trompe pas. Voilà, c'est ça. C'est ici. Et non, j'avais mis ici. Et c'est ici. Au début, j'avais mis sur ça, mais après, j'ai vu sur certaines images du plan, le plan du manga. Il se trouvait ici. Mais là, maintenant, c'est revenu ici. Donc, apparemment, c'est ici plutôt. Là. Ici. Du coup, là. Lui, il se trouve ici. Et tous ces gens-là. Je sais pas si je peux attraper tout ça. Je vais essayer d'attraper tout ça. Et déplacer vers ici à peu près. Voilà. Ça. Et le label, pareil, j'attrape tout ça. Si c'est possible. Et j'attrape tout le label et je le fais bouger. Donc. Kokoyashi. Ouais, c'est ça. Par contre, il y a un petit truc là, ici. Ah, c'est collé tout l'ensemble. Eh ben, tout l'ensemble est collé. Après, je supprime celui-là. Donc, il faut que je refais ce plan-là. Parce que ça va pas, il y a un bateau sur la terre. Du coup. Tout les... ça, c'est faux. Donc, on retire déjà les labels. Voilà. Et... voilà. Du coup, c'est comme ça. Par rapport à la carte live action. Donc, toutes les positions sont à peu près bonnes. Il y a juste le bateau là que je dois supprimer. Je sais pas si je peux supprimer. C'est possible de gommer le symbole. Je vais réduire la taille et je vais essayer de supprimer. Ah,
Non, ça va pas. Ils suppriment tout complètement. Mountain. Ah, j'ai fait une connerie quelque part. Non, c'est bon. On arrête ici pour cette partie. Attendez, symbole. On est en couche, on va supprimer.